Content ce matin. Alléluia. Je suis content ce matin. Alléluia. Le groupe musical nous a fait quelque chose. The musical group did something. Alléluia. Soyez bénis. Be blessed. Soyez bénis. Be blessed. Quand on glorifie son nom. And that should glorify his name. Alléluia. Hallelujah. Comme disait le diacre Emmanuel. Like was saying the deacon. Il est là et Dieu est content. He is here and God is happy. Alléluia. Hallelujah. Oh, quand Dieu est content. And when God is happy. C'est bien pour nous. It's good for us. Hallelujah. Hallelujah. Cette semaine. This week. Tu auras des témoignages. You will have testimonies. Hallelujah. 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 Dieu God n'agit pas does not act forcément parce qu'il y a des milliers de personnes. Because there are millions of people. Il dit, he là said, où il y a deux ou trois, when there is two or three, il dit à mon nom, in my name, si vous me craignez, if you fear me, si vous me mettez à ma place, if you put me in my place, et que vous sachiez qui je suis, and that you know who I am, même si vous êtes deux, even if you are two, le monde entier, the whole world, à savoir, would know que vous servez un Dieu, that you serve a power of God. Alléluia. Hallelujah. Soyez bénis. Be blessed. Merci. Thank you. Au frère Yemula ce matin. Brother Yemula this morning. Qui a remué la maison ce matin. Shake the house this morning. Sois béni. Be blessed. Alléluia. Hallelujah. Au chanteur Dadier. The singer Dadier. Sois béni. Be blessed. Cynthia. CJ. Deacon. Jonas. Sylvain. CJ. Andy. Soyez béni. Be blessed. Hallelujah. Hallelujah. Ce matin. This morning. Dieu a besoin seulement. God only needs. Soyez béni le grand Joe. Be blessed, Joe. Soyez béni le grand Richard. Be blessed, Big Richard. Hallelujah. Hallelujah. Et cela soit béni. Ursula, be blessed. Sois bien habillé ce matin. Que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Je dis que tu vas te marier, il faut que je me donne beaucoup d'argent. Attention. Il faut que je vois clair dans vos côtés. Sois béni. Be blessed. Alléluia. Hallelujah. L'ancien Moïse est à la maison ce matin. Hallelujah. La chante Jacqueline est dans la maison ce matin. On n'a pas entendu des chansons à Moré là. We haven't heard Moré's songs in a while. Hallelujah. Hallelujah. Soyez bénis. Be blessed. La grande Rita est dans le coin. Ça dit, quand je vois maman Suzy sourire, c'est qu'après le culte, quelque chose va se passer. Alléluia. Maman Fatima est là. Fatima is here. Non, vraiment, j'aime mission pour Christ. Amen. I really love mission for Christ. J'aime mission pour Christ. I love mission for Christ. La grande Charlotte est de retour. Our sister Charlotte is. Vous savez, you know, le thème de notre message ce matin, of our message this morning, c'est enfants de Dieu, is children of God, soyons vigilants. Be careful. Soyons vigilants. Be careful. Ce qui s'est passé ce matin ici, what just happened this morning, la joie que nous avons eue ce matin, the joy we received this morning. L'ennemi n'est pas d'accord avec ça. The enemy is not okay with that. Satan n'est pas d'accord avec ça. The enemy is not okay with that. Alléluia. Hallelujah. La Bible dit, the Bible says, il rôde autour. That he stays around. On n'a pas dit qu'il rôde autour de ses amis. Hein.
It didn't say he stays around his friends. On n'a pas dit qu'il rôde autour de ceux qui sont même chose avec lui. Or he stays around those who are like him. Mais ceux qui ont pris la décision de se séparer de lui. To those who took the decision to separate themselves from him. Et qui ont accepté un autre père. And who've accepted another father. Qui est le réel, qui est le vrai. Who is the true and the real. Ceux-là. Those. Il ne les laisse pas en paix. He does not leave them alone. Parce qu'il ne veut pas voir cette joie. Because he does not want to see this joy. Il ne veut pas voir cette paix. He does not want to see this peace. Mais ce matin. But this morning. Je vais avec l'Esprit de Dieu. I will with the Spirit of God. Ouvrir. Open. Notre esprit. Our spirit. Notre pensée. Our thoughts. Sur la façon dont il agit. On the way that he acts. Parce que si nous ne faisons pas attention. Because if we don't be if we're not careful. Parfois on va avoir des problèmes avec un frère. Sometimes we'll have trouble with a certain brother. Avec une sœur. Or a sister. Alors que ce n'est pas la personne. But it's not those people. Amen. Amen. On va lire 1 Pierre 5. We're going to read 1 Peter 5. 8 à 10. 8 to 10. Je lis la parole de Dieu, 1 Pierre 5, verset 8 au verset 10. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Soyez bénis. Amen. Vous avez entendu tout à l'heure. Il dit que he says, votre ennemi. Your enemy. C'est-à-dire Dieu lance un appel ici. It means God is throwing a call. Il dit soyez vigilants. Be careful. Veillez. Watch. Parce que votre ennemi. Because your enemy. Rôde autour. Stays around. Pour attraper en fait. To catch. Le plus faible. The most weak. Mais il n'a pas dit pour le taper. But he did not say to hit him. Il dit pour le dévorer. He said to devour him. Pour le tuer. To kill him. Pour l'isoler. To isolate him. Pour l'enlever là où il a la joie. To take him away from his joy. Alléluia. Hallelujah. Enlever là où il y a la paix. Take him away from the where there is peace. Détruire la vie de la personne. Destroy the life of that person. Mais il ne va pas venir vers toi. But he's not going to come near you. Avec un marteau. With a hammer. Il ne va pas venir avec toi. He's not going to come towards you. Tu vas jamais voir le diable. You will never see the devil. Venir avec un animal qui a quatre têtes. Come with an animal that will bite your head off. Pour dire, oh, donc voilà, le diable est venu aujourd'hui. To say that, oh, the devil came today. Ce n'est pas comme ça qu'il agit. It's not such a way. Mais ce matin, but this morning, on va revenir sur ce passage. We want to come back on this passage. Et on va comprendre. And we will understand. Voir comment il agit. And see how he acts. Pourquoi il fait ça? Why he does such things? Quelles sont ses stratégies? What are his strategies? Et pourquoi? And why? Vous allez comprendre pourquoi Dieu nous demande. We will understand why God asks of us. D'être vigilant. To be careful. De veiller. To watch. C'est sérieux quand Dieu it's dit serious when God is telling you something. Hallelujah. Hallelujah. On va commencer avec Job 1. We're going to start with Job 1. 1 à 5. 1 to 5. Hallelujah. Je lis la parole de Dieu, Job 1. Verset 1 à 5. Il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit.
Ils craignaient Dieu et se détournaient du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânes et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait le bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste, car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Amen. Amen. I read the word of God. There was a man in the land of Uz whose name was Job. And that man was blameless, upright, fearing God, and turning away from evil. 7 sons and 3 daughters were born to him. His possession also were 7,000 sheep, 3,000 camels, 500 yokes of oxen, 500 female donkeys, and very many servants. And that man was the greatest of all the men of the east. His sons used to go and hold a feast in the house of each one on his day. And they would send and invite 3 sisters to eat and drink with them. When the day of feasting had completed their cycle, Job would sit and consecrate them, rising up early in the morning, offering burnt offering according to the number of them all. For Job said, perhaps my son have sinned and cursed God in their heart. Thus Job did continuously. Alleluia. Seigneur, je bénis ton nom ce matin. Lord, I bless your name this morning. Je te rends grâce. I give you grace. Pour ce moment que nous avons passé, Seigneur, ta présence. Tout ce qui est cher, Papa, disparaisse. Mais que ton esprit seul nous enseigne ce matin. May your spirit afin que nous puissions comprendre, Papa, ta volonté. So we may understand your will. Et marcher selon la voie que tu t'as. And walk towards the path that you have for us. Merci parce que l'ennemi a déjà échoué dans notre vie. The enemy has already failed. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Regardez comment la Bible décrit Job. You see how the Bible describes Job. Il a 7 enfants. He has 7 children. Il craint le Seigneur. He fears the Lord. Il marche selon la volonté du Seigneur. He walks in the will of God. Le Seigneur l'a béni. The Lord has blessed them. Lorsqu'on on calcule le nombre. When you calculate the number. On calcule le nombre de ce qu'il a. When you calculate the number of what he has. Comme richesse. As rich, en bénédiction. As blessing. Ses enfants étaient dans la joie. His children were in joy. Mais la Bible dit ici. But the Bible says. Que Job craignait tellement le Seigneur. That Job feared the Lord. Que même pour être convaincu que la vie de ses enfants vis-à-vis de Dieu était to be convinced that the life of his children towards God was correct. Il sanctifiait. He was sanctifying. Et il demandait des animaux pour sanctifier ses enfants. And he was et il demandait pardon and he was asking for au Jesus Seigneur to the Lord pour que ses enfants for his children soient dans la bénédiction. Alléluia. Dieu God était en parfaite harmonie avec Job. Was in perfect harmony with Job. Job était correct. Job was correct. Il avait la paix dans sa maison. There was peace in his house. Il avait la joie dans sa maison. There was joy in his house. Il avait des travailleurs. There was workers in his house. Mais mon frère, but my brothers, ce que tu dois comprendre, what you have to understand, et nous allons voir ça dans and we will see in following, Satan ne t'attaque pas. Does not attack you. Parce que forcément, because tu pêches, c'est vrai. You sin, it's true. Mais Satan même t'attaque d'abord. But Satan attacks you first. À cause de ton choix. Because of your choice. Le fait d'avoir choisi Jésus. The fact that you have chosen Jesus. Déjà, c'est une bataille qui commence. It's already a battle. Le choix que tu as fait. The choice you have made. Le fait de choisir la lumière. The
The choice of choosing life. Le fait de choisir déjà Jésus. You have chosen Jesus. Ne pense pas que tout est fini. Do not think everything is over. C'est pour ça que le fait de penser. And that's why the thoughts. Que être chrétien veut dire ne pas avoir des problèmes. Thinking being a Christian means you don't have trouble. Que être chrétien c'est automatiquement devenir riche. Meaning being a Christian means you're automatically rich. Si c'était ça être chrétien. If that was true being a Christian. Mon frère. My brother. C'est que tu n'as pas compris être chrétien. Means you have not understood what being a Christian is. Amen. Il y a une soeur qui est ici, Jacqueline. There's our sister Jacqueline. Elle connaît le pasteur, l'un des pasteurs dont on parle. She knows one of the pastors. Elle est des grands pasteurs. That we know one of the biggest pastors. Vraiment puissant. Really powerful. Beaucoup d'enfants bénis. Has a lot of children blessed. Mais dans l'église là. But in the church. Il y a d'autres qui ne sont pas aussi riches comme tous d'autres qui sont aussi. There are others who are not rich as others. Il y a des docteurs. There are doctors. Il y a des riches. They're rich. Il y a des hommes d'affaires. They're men of business. Mais la parole qu'il donne. But the word that he gives. Les enseignements qu'il te donne. The teaching he gives. Doivent t'amener. Have to bring you. À organiser ta vie. To organize. Et marcher selon Dieu. And walk towards God. Pour que ta marche avec le Seigneur. Walk with the Lord. Puisse te permettre d'être dans la paix. May help you be in peace. Et d'être dans la joie. And be in joy. Et chaque jour dans la Bible. And every day in the Bible. Dieu nous donne des instructions. God gives us instructions. De savoir marcher. To know how to walk. De savoir prier. To know how to pray. D'obéir au Seigneur. To obey the Lord. Parce qu'il sait. Because he knows. Que le choix que nous avons that fait. The choice that we have made. Si nous ne savons pas marcher selon Dieu. If we don't know how to walk. Si nous ne savons pas voir comment notre vie doit être. If we don't know how our life la Bible dit qu'il rôde autour. The Bible said he stays around. À travers ta manière d'agir. By your way of acting. Tu vas ouvrir des portes. You will open doors. Et il va te dévorer. And he will devour you. Il t'attaque d'abord à cause de ton choix. He attacks you first because of your choice. Il va t'attaquer à cause de ta position et ton titre aussi, même dans l'église. Your position and your title in the church. Alléluia. Tu as une nomination. You have a nomination. Tu as eu un travail qui est bien. You have a good job. Tu as commencé un projet. You started a project. Tu as commencé quelque chose. You started something. Sois convaincu. Be convinced. Que tu vas avoir des épreuves. That you will have troubles. Et tes épreuves. And your trials. Seront fonction. Will be in function. De ce que tu es. Of what you are. De ta bénédiction. Of your blessing. De ta grandeur. Of your grandeur. De ton élévation. Of your elevation. Du poste que tu occupes. Of the position. De ton that you ministère. Take, of your ministry. Du don que tu as en toi. The anointing. Tu seras attaqué. You will be attacked. À cause de ces choses. Because of those things. Alléluia. Alléluia. Il va t'attaquer. He will attack you. Il connaît ton futur. He knows your future. Il va te détourner. He will detour you. Il va te distraire. He will distract you. Mais si tu n'as pas un objectif. But if you don't have an objective. Si tu n'es pas intègre. If you're not you don't have integrity. Si tu ne sais pas ce que tu veux. If you don't know what you want. Il va t'avoir. He will have you. Alléluia. Il va t'avoir. He would have you. The Bible says Nehemiah stood and he was sad. Il a voulu rebâtir le mur qui était déjà sous les ruines, la poussière. But when he decided de bâtir les murailles, to break the wall, la Bible dit, the Bible says il a commencé à être attaqué. He started being attacked par les Tobita. Les Tobija et les Sambala. And the Sambara. Les murailles étaient là. The walls were there. Le mur était ruiné. The walls. La poussière est dessus. There were dust. Personne ne s'occupait de ça. No one knew it. Mais quand Néhémie. But when Nehemiah a décidé. Decided. De faire ce travail. To do this work. De bénir ses frères. To bless his people. Ils se sont élevés. They were his enemies. Alléluia. Alléluia. Ils se sont élevés. Néhémie. Qui Néhémie avait provoqué? Who did Nehemiah provoke?
Qui Némi avait insulté? Who did Nehemiah insult? Mais le problème avec Satan. But the problem with Satan. Ce n'est pas un problème d'injure. It's not a problem of cussing. Amen. Amen. Insulting. Ce n'est pas un problème de qui tu as provoqué. It's not a problem of who you provoked. Mais tu seras attaqué. But you will be attacked. Je ne peux prendre un fidèle ici tout à l'heure. I can take a member here. Qui n'a pas de poste. Who does not have a position. Si je dis mon frère. If I say my brother. Tu es responsable des temps. You are responsible of this. C'est fini. A leader of this, it's finished. C'est fini. Parce que son problème. Because the his problem. Il ne veut pas. He does not want. Que les enfants de Dieu aient la paix. That children of God have peace. Il ne veut pas. He does not want. Que les enfants de Dieu soient dans la joie. That children of God be in joy. Alléluia. Hallelujah. Job. La Bible dit qu'il avait tout. The Bible said he had everything. Il était béni. He was blessed. Même il avait peur que ses enfants ne pêchent contre Dieu. He was even scared that his children would sin. Il va tuer des bœufs, faire des sacrifices. He would go and make sacrifices. Pour être convaincu que ses enfants étaient sanctifiés. To have in his mind that his children would be sanctified. Ça veut dire que c'est un homme qui craignait le Seigneur. Say that he was a man who feared the Lord. Mais nous allons voir. But we will see. Réellement la volonté de Satan, du diable dans notre vie. The real will of Satan. Quelle est sa volonté? What is his will? Et aussi voir la volonté de Dieu dans and notre see vie. See the will of God. Alléluia. Hallelujah. La volonté de Dieu. The will of God. Est que nous soyons en paix. Is that we be in peace. La volonté de Dieu pour toi. The will of God for you. Est que tu sois heureux. Is for you to be happy. La volonté de Dieu pour toi. The will of God. Pour nous tous. For all of us. C'est que nous soyons en bonne santé. May we be in good health. Et que dans notre, si nous sommes mariés. And if we are married. Que nous ayons la paix. May we, that we have peace. Que nous ayons des enfants. We have children. Que nous nous marions. That we may get married. Que nous soyons bénis. And we be blessed. Alléluia. Hallelujah. Que nous ayons la paix. May we have peace. Mais nous allons lire. We're going to read. Toujours Job. Job. À partir de 10. Starting from verse 10. Et jusqu'à 15. Verse 10 to 15. Amen. Verset 10. Ne l'as-tu pas protégé? Lui, sa maison et tout ce qui est à lui. Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. Alléluia. Hallelujah. On va s'arrêter là. I'll read the word. Regardez, il va devant Dieu. La Bible dit qu'il n'avait même pas été convoqué. The Bible said he was not even called. But mais là où les enfants de Dieu se sont regroupés. Where the children of God met. Non seulement il est venu là. Not only he came. Mais c'est lui qui a commencé à poser des questions. He started to ask questions. Et par quoi il commence? And by how does he start? Seigneur. Lord, si celui-là il a la paix, if this one has peace, c'est parce que tu le protèges. It's because you protect si him. Parce qu'il a travail, it's because he has c'est work. Parce que tu lui donnes le travail. You give him a si, job. Si Job aujourd'hui on parle de Job, if we speak c'est about parce Job, que tu as ta main. It's because you have your hand. Et c'est la même chose. And that's the same thing. C'est la même chose, mon that frère. The same thing, my brother. C'est pour ça que nous devons prendre notre vie au sérieux. And that's why we have to take our life seriously. Parfois tu vas penser que le fait même d'être aux États-Unis, the fact that you're being in the United States alone, c'est une joie. It's a joy. Alléluia. Hallelujah. Mais ce n'est pas une joie. But it's not a joy. Le fait que tu aies un travail, the fact that you have a job, ce n'est pas une joie pour tout le monde. It's not a joy for everyone. Amen. Le fait que tu sois en bonne santé, the fact that you are in good health, ce n'est pas une joie pour tout le monde. It's not a joy for everyone. Les gens parfois sont au contraire contents de te voir dans la même situation. Are happy to see you in the same situation. Pourquoi ils sont bien que toi? For them to say that they're better than you.
Mais il est allé vers Dieu. But he went towards God. Et tout ce qu'il dit à Dieu. All that he was saying. Mais est-ce que tu n'as pas protégé sa maison? Have you not protected his Est-ce home? Que tu n'as pas protégé ses enfants? Have you not protected his Est-ce children? Que tu n'as pas protégé sa famille? Have you not protected his Est-ce que tu ne donnes pas joie chaque jour? Do you not give him joy every day? Alléluia. Hallelujah. Il n'a pas commencé. He did not start. Pour dire, regarde comment Job est en train de pécher. Look how Job is sinning. Il n'a pas dit, regarde comment Job est en train de t'insulter. He did not say how Job is insulting. Il n'a pas dit, regarde comment regarde la vie des enfants de Job. He did not say, look at the life of the children. Mais il dit, si Job est heureux, he said, if Job is c'est à cause de ton travail. It's because of your si will. Job est heureux, if Job is oh, happy, si tu la vois comme ça, qu'elle est comme ça, if you see her like c'est that, à cause de son mari. It's because of her oh, si tu les vois qu'ils sont dans la joie, see them that they're c'est à cause de la maison. It's because of the house. Oh, c'est parce que tu les as envoyés aux États-Unis. You took them to the United States. Mais touche à leur salaire, tu vas voir. Touch their salary. Rends-les malades, tu vas voir. Sick. Ne leur donne pas le mari, tu vas voir. Ne donne pas de femme, tu vas voir. Give him a wife. Quitte même le ministère, tu vas voir. Leave the ministry. Mon frère, la volonté de Dieu. The will of God. C'est que tu sois bien. Is that you be good. La volonté de Dieu. The will of God. C'est que nous soyons heureux. Is that we be happy. Mais la volonté de Satan. The will of Satan. C'est que tu sois isolé. Is for you to be isolated. Amen. Parce que tout ce qu'il souhaite, because all that he wishes, tout ce qu'il veut, all he wants, c'est le contraire. It's contrary de la volonté de Dieu. To the will of God. Alléluia. Hallelujah. L'ennemi, the enemy, il va te pousser. He will push you. Il va te pousser. He will push you. À te séparer d'abord de Dieu. To separate yourself from God. Te séparer de Dieu comment? To separate yourself from God, how? Tu vas plus même aller dans l'église. You will stop going to church. Tu vas plus aller dans n'importe quelle église. You will stop going to a church. Tu vas plus faire quoi que ce soit. You will stop doing what you're supposed to do. Parce que son objectif. Because his objective. C'est de te mettre. Is to put you. En part. To separate you. En fonction. In this regard to what he knows is within you. Oh, moi, this church doesn't interest me anymore. Vous voyez pas le pasteur? You don't see the pastor. Oui, c'est à cause de la soeur là, je ne vais plus. Me, it's because of this certain sister, oh, non, I don't go anymore. C'est anywhere. Le frère là qui fait que moi, j'aime l'église, mais à cause du frère là. But I like the church, but because of a certain brother. Mais le frère cherche bénédiction. But this brother is looking for le a blessing. Le frère n'est pas bon. This brother is not c'est good. Pour ça qu'il va à l'église. And that is why he goes to church. Okay, la parole. Because the word puisse transformer le that frère can transform ou la soeur. Or the sister. Que la soeur puisse être bien okay, avec the le sister Seigneur. Be good with the Lord. Alléluia. Hallelujah. Le problème de l'ennemi. The problem of the enemy. C'est d'isoler. Is isolation. Parce que souvent. Because sometimes. L'ennemi voit. The enemy sees. En toi. In you. Ce que toi-même tu what ne you vois. You don't pas. See in yourself. Il voit tes qualités. He sees your qualities. Il voit tes dons qui sont en toi. He sees the anointing. Il voit tes possibilités. He sees possibilities. Oh, lorsque tu fais l'œuvre de Dieu. As soon as you do the word of God. Il a dit premièrement le royaume. God said first look to the kingdom and all shall come. So when you do the will of God and that you walk towards the will of God and when God sees that you are succeeds you and you are blessed. Et il ne va pas devant n'importe qui. He doesn't go to anybody. Regardez où la conversation a commencé. See where the conversation started. Dieu dit, tu as vu mon fils. God said, you see my son. Tu as vu Job. You see Job. Comment Job m'obéit. How Job obeys. Tu as vu Job. You see Job. Comment il sanctifie ses enfants. How he sanctifies his children. Tu as vu Job. You see Job. Comment il est prospère. How he's prosperous. Dieu, God, qui est en train de faire promotion, who's showing off Job, des gens, mon frère, my brothers, ma soeur, my sisters, fais des desseurs, be and make sure que Dieu fasse ta promotion, that God shows Amen. You off, Amen. Fais des desseurs, make sure que Dieu, that God, soit content de toi, be happy with Amen. You.
C'est pas n'importe qui parle de Job ici. It's not anybody that's speaking about Job. C'est Dieu. It's God. Qui est en train de parler de Job. Who is speaking Amen. About Job? Ça veut dire quoi? What does that mean? Que Dieu. That God. Est fier de nous. Is proud of us. Amen. Pas par rapport à ce que nous sommes. Not because of what we are. Mais par rapport. But because. À ce que nous faisons pour Dieu. What Amen. We do for God. Qu'est-ce que tu vas présenter à Dieu? What do you present to God? Qu'est-ce que tu vas montrer au Seigneur? What can you show the Lord? Pour qu'il parle de toi. For him to speak about you. Ou bien quand il va dire son nom, quand il va dire, he will say his name, your name. Parce que là, il cause avec le diable. Because right now he's speaking to the devil. Il va dire, tu as vu mon fils? He will say, you saw my son? Ismaël. Ishmael. Il dit oui, oui. He said yeah. Oh, ton fils. Your son. Quand il se fâche, personne demande. When he is mad, ah oui, je l'ai vu en bas. I've seen him that way. Oh, quand il se fâche, il tremble. Mad, he shakes. Il tremble. He shakes. Tu as vu ma fille là? You see my daughter here. Tu as vu Madeleine? Madeleine. Il dit, ah, oui, j'ai vu Madeleine. Yeah, I've seen her. Oh, Madeleine. Madeleine. Ne dis pas quelque chose qu'elle n'aime pas. Do not say something she doesn't like. Sinon, pour qu'elle revienne te parler, encore il faut trois mois après. To speak to you. Ah, Madeleine, là, je suis pas là. She's playing. C'est moi. Her, me. Are you talking about me? Are you talking about me? She doesn't play with that. Tu as vu Abangali? You see my other son? Il dit oui, je le vois. Yeah, I see him. Mais lui. But him. Bangali, lui, ce qui est bien sur lui. What is good with him? Le culte commence à 11h, mais lui vient à 10h. The service starts at 11, but he comes at 12:30. À part le travail, oui, il va à l'heure. Ça, c'est le job where he goes to. Yeah, ça, c'est après. For God, it's later. Il dit, mais est ton fils l'autre là? So what about your other son? Il dit, ah, oui, lui, il est là-bas. So yeah, he's there. Parce que lui, because him, si tu veux savoir, if you want to see, nous, là, on n'a plus besoin d'aller à l'église. We don't need to go to church. Parce que nous, là, because us, quand on veut avoir information, we need to have information. Quand il est venu de l'église, when nous aussi, on s'en va le saluer. And greet him. Parce que quand on le salue là, because when we greet him, habite chacun à porter là-bas, il va décrire. The clothes that everyone wears. Oh, mais si tu n'as pas vu la sœur, la sœur, elle a un pantalon là. Oh, mais tu n'as pas vu le frère. You didn't see the certain brother that he was wearing. Mais tu n'as pas vu leur groupe. You didn't see their group. Tu n'as pas vu leur clan. You didn't see their clan. Tu n'as pas vu aujourd'hui, le passé, il a passé comme ça. The pastor was preaching, but it was like he was addressed to me. Oui, on dirait qu'on a dit quelque chose sur moi, c'est ça, il parle. He said something about me. Tu n'as pas vu, mais tu n'as pas vu. You didn't see. Amen. Ça vraiment, mon piano là, on dirait, il te plante, ça pourrait provoquer, hein. Toutes les informations du culte. So all that are information of the service. Il dit, mais aime le message. So what about the message? Ah non, le message était puissant. The message was good. Non, le message, en tout cas, dans ces jours, les messages sont bons. And these days, the message was good. Oui, mais c'était de quoi il parlait. What was he speaking about? Mon cher, tu sais, eux-mêmes ils disent, on devait quitter là-bas. À 13h là, ils nous ont retardés jusqu'à 13h. C'est ça qui me prépare dans le culte des Africains.